Monsieur Ballot, entrez. Asseyez-vous. Bonjour docteur. Bien le bonjour Pichoun. Comment ça va depuis notre dernier rendez-vous? Ça va pas très bien en fait, j'ai très mal au ventre, j'ai beaucoup de diarrhée, de maux de tête et j'ai encore beaucoup de nausées depuis. Bon, j'ai reçu tes résultats d'analyse. On dirait que tu as l'intestin inflammé comme un papier à la pétanque. Je vous demande pardon? Tu sembles souffrir d'une mycie. C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Comme si tu t'es pris une murge au pastis. Je comprends pas vraiment, ça veut dire quoi? Tu sembles souffrir de la maladie de Crohn. C'est une maladie qui va inflammer ton intestin et fragiliser les parois intestinales, les rendant poreuses, comme le barrage de Malpassé. D'accord, et cette inflammation, elle est due à quoi au juste? Elle est sûrement due à un déséquilibre de ton microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, ça te parle? Ouais, alors... Bon. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries non pathogènes présentes dans ton intestin. Nous avons besoin d'elles pour vivre, elles ont besoin de nous. C'est une symbiose. Dans ton cas, l'équilibre de ce microbiote a été perturbé. Par exemple, j'ai pu voir dans les analyses que tu avais plus de Escherichia coli que la moyenne. Par contre, tu avais un déficit en Faecali bacterio prosniti. Bon. Ton microbiote, c'est un peu comme un pambagna. Si jamais il y a trop d'huile d'olive, il est trop gras. C'est pas bon. Par contre, si jamais il n'y a pas assez de thon, il n'a pas de goût ton pambagna. C'est pas un vrai pambagna. Tu me suis? À vrai dire, non, pas vraiment. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, toi. Tu aimes le foot, non? Attends, carrément, bah oui. Bon. Eh bien, imagine-toi un match de foot. Si jamais il y a un déséquilibre entre les équipes, l'une des deux va prendre l'avantage. Et elle va donc devenir pathogène. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une incroyable rencontre entre deux équipes. En vert, nous avons l'équipe des bonnes bactéries, les good biotes. En rouge, l'équipe des mauvaises bactéries, les bad biotes. On peut s'attendre à un très beau match, mais la question est, qui va le remporter? Plus que quelques instants. Et ça y est, le coup d'envoi est lancé. La tension est palpable sur le terrain. Regardez la coach des Good Biotes. Le cerveau, elle est complètement désarmée. On se reprend! Mais les Bad Biotes ne s'arrêtent pas là. Ils commencent à être violents dans leur jeu. C'est terrible! En l'espace de 5 minutes, il y a 2 joueurs à terre. C'est un véritable cauchemar pour la coach et son équipe. Ça doit lui donner une de ses migraines. Pauvre cerveau. Ouais, je comprends. Mais mes maux de tête, là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Il est important que vous compreniez que le microbiote intestinal et le cerveau sont étroitement liés. C'est ce qu'on appelle l'axe microbiote-intestin-cerveau. Alors, en cas de déséquilibre, ça va influencer le comportement du cerveau. Ce lien se fait grâce à des signaux chimiques qui sont échangés entre le micro-organisme de l'intestin et les cellules du cerveau. Donc, lorsque votre microbiote intestinal est déséquilibré, cela peut provoquer une inflammation chronique dans le corps, y compris dans le cerveau. Cette inflammation peut causer des migraines et même engendrer une altération de votre comportement, voire d'autres troubles neuropsychiatriques. Enfin, le coup de sifflet pour marquer la fin de ce début de rencontre. Les Good Biotes sont anéantis. Il va falloir trouver une solution, et vite. La coach semble au bord du malaise. La fièvre doit sûrement déjà avoir gagné le cerveau. On est mal barré là. Ah, on est mal là. Plus de coach, plus de motivation, plus de coordination. Déception.
Coach, c'est vous notre cerveau, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est dans le mal. J'ai quelque chose pour vous, je crois. La TMF? La TMF? La TMF. C'est la transplantation de microbiote fécal. Il consiste en l'introduction d'un échantillon de sel d'un donneur sain dans le tube digestif d'un patient receveur. Par voie orale ou rectale, il sert à rééquilibrer le microbiote intestinal et exercer un effet thérapeutique. Tenez, j'ai ça pour vous. Waouh, je me sens grave bien. Par contre, c'est un goût bizarre. C'est quoi ça, coach? Bon, ça va mieux les blessés? Ouais, ça va. Maintenant, on n'a plus d'excuses. J'ai confiance en vous et vous êtes les meilleurs. On va le gagner, ce match. Allez. Incroyable! Les gouttes d'eau remontent le terrain avec le ballon et c'est but! Oh là 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 là, mais quelle remontée! Vous avez été sélectionné parmi de nombreux candidats. Seriez-vous intéressé par la réalisation d'une transplantation de microbiote fécal? C'est un nouveau programme. Il n'est pas sans risque, mais il y a beaucoup de chances que le traitement fonctionne et améliore votre santé. Peut-être que vous voulez fixer un rendez-vous. Ça me semble un bon choix. Enfin, si ça peut améliorer mes conditions de vie, je pense que je suis prêt à prendre le risque. Cependant, il faudrait juste que je voie avec ma famille avant de vous donner ma réponse. Oui, bien sûr, je comprends. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Je peux vous laisser un peu de temps. Peut-être qu'on peut se voir dans un ou deux mois et que vous me transmettiez votre réponse. D'accord, ça me semble très correct, merci beaucoup. Eh bien, on se revoit dans un mois, monsieur. Bonne journée. D'accord, parfait. À bientôt. Au revoir, à bientôt.